Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit haul du salon Oscré qui s'est déroulé à Nîmes hier et aujourd'hui. J'ai donc été chez Scrap Didi et j'ai fait quelques achats et aussi un atelier avec Amy où on s'est régalé. Alors, tout d'abord, j'ai acheté cette matrice de découpe. Pourquoi j'ai acheté cette matrice de découpe? Ben parce qu'elle était jolie. On l'avait utilisée en atelier et je cherchais justement comment j'allais faire mes petites créations Scrap Didi. J'étais pas très décidée sur mon format. Du coup, je me suis dit, ben, c'est cool, je vais utiliser leur dies et ce sera mon format Scrap Didi. Comme ça, c'est très très bien. Donc voilà, j'ai craqué aussi sur ce tampon utilisé également en atelier, donc avec des grands mots fleuris. D'ailleurs, il s'appelle Mots en fleurs. Donc c'est la nouvelle collection Éclat d'amour. Dans la collection Éclat d'amour, j'ai aussi pris ce petit chat utilisé en atelier également. Voilà. Ça, quand je fais des ateliers, après, c'est très très rare que je n'achète pas le matériel utilisé. C'est vraiment très rare. J'ai pris ce petit ourson amoureux. Ourson amoureux, et là c'était chat d'amour. Ensuite, toujours dans la collection Éclat d'amour, j'ai pris livraison de câlin. Il est trop trop beau. Je pense que c'est le prochain que je vais utiliser. Voilà. Donc, ça, hop, et lettre d'amour. Voilà. Très joli tampon. Et j'ai découvert. Alors, je ne sais pas comment ils les appellent. Des die-cut calque. Donc, toujours dans la collection Éclat d'amour. Non, pas dans ce sens-là, parce que je vais la retourner. Hop. Avec des grands mots, là, trop bien. Ça, c'est super pour un mini-album, j'adore. Et enfin, dans cette collection-là, le A avec amitié. J'ai pris quelques autres petites bricoles. Donc, ce magnifique piano, donc symphonie florale. Voilà, j'adore le piano, donc hop, c'est fait. Et j'ai pris un petit peu, on va dire, mes regrets de Noël. Parce que je n'avais pas commandé à la magie de l'hiver. Donc le N, Noël, boîte aux lettres, trop joli. Et ce tout mimi, petit pingouin de Noël. Voilà, mes petits achats. J'ai eu en cadeau, il y avait une roulette, c'était assez sympa. Et j'ai eu en cadeau ce tampon. Une journée magique, un si joli portrait, moment en famille, prise de vue unique en bonne compagnie et souvenir. Je ne sais pas de quel moment il est sorti. Voilà, je suis partie au salon, j'avais tout oublié, bien sûr. J'avais préparé un carnet avec tous les tampons que j'avais déjà pour pas acheter de doublons. Après, je me suis assez focalisée sur la nouvelle collection, donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Je n'ai pas vérifié non plus. Mais je suis partie, j'avais tout oublié. Donc, le petit atelier avec Amy, hop, on a fait cette petite carte. J'arrive pas à trouver, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose en fait. Hop. Voilà. Mimi, je vous mettrai les photos. Et quand j'ai tamponné la première fois mon mot passion, j'ai raté le A, bien évidemment. Et j'ai voulu faire retamponner par-dessus. Donc là, j'avais mis de l'encre que sur le A. Mais ben, en salon, avec ma super vue, j'ai été un peu limitée et j'ai décalé d'un centimètre. Enfin, non, pas un centimètre, mais au moins. Ouais, au moins 5 mm, ce qui fait que j'avais deux A un peu superposés l'un sur l'autre, enfin décalés en hauteur.
Du coup, j'ai quand même récupéré ma feuille d'erreur, puisqu'Amy a eu la gentillesse de m'en donner une autre. Et du coup, j'ai complété une autre petite création où j'ai pris le A de l'alphabet Scrabble pour que je n'ai pas et que je regrette de ne pas avoir acheté, bien évidemment. Je l'avais utilisé en atelier et un petit die cut. Et j'ai complété ma petite autre carte. Voilà. Donc ça, c'était pour Scrap Didi. Je vais arrêter la vidéo là, comme ça elle sera rapidement téléchargée et rapidement sortie. Je vous ferai mes retours du salon au fur et à mesure des vidéos. Voilà, donc ça, bah, Scrap Didi, check, validé, approuvé. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt.